Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Charles, de Camilla et des Cambridge. Hier, il y avait un événement assez important en Angleterre, ben, pas vraiment, mais en quelque sorte. C'était la visite du président de l'Afrique du Sud en Angleterre. Donc, ils ont été reçus par le prince Charles et Camilla. Et c'était le premier président à visiter le prince Charles depuis le couronnement. Donc, ils ont fait ça en grande pompe pour que ça marque l'esprit. Ils ont sorti les tiares, ils ont sorti les habits que j'appelle les costumes, hein. Ils ont vraiment sorti le grand jeu pour ce monsieur-là. On se demande si c'est pour ce monsieur-là ou si c'est parce que c'est le premier à rendre visite officiellement au nouveau roi. Donc, je crois qu'il y a un peu des deux. Pourquoi lui? Parce que ben, il vient d'Afrique du Sud. Afrique du Sud, ça rappelle Meghan Markle. Ben, vous allez me dire que c'est tiré par les cheveux, mais pas vraiment. Au vu de la polémique qu'il y a eu avec Mandela et tout ça, et c'était oui, justement. Elle avait dit qu'elle ne se sentait pas bien dans la famille royale. Et aussi, polémique parce que, voilà, il est noir et on veut montrer que la famille royale n'est pas raciste. D'autant plus qu'il y a une polémique sur le racisme de la famille royale dû au fait que Meghan Markle et le prince Harry vont recevoir un prix bientôt. Donc, on nous a sorti le grand jeu, on l'accueille avec des grands sourires, tout le monde est heureux. Lui, il en profite parce que on lui déroule le tapis rouge, on lui donne vraiment une présence, un pouvoir. Je dis, on lui donne parce que vous savez comment généralement ça se passe quand il s'agit des pays africains, notamment quand ils sont reçus en France. Et vraiment, ils ont sorti le grand jus pour dire, voilà, on reçoit le président de l'Afrique du Sud, moment symbolique parce que c'est une ancienne colonie anglaise. Et en plus de ça, ça montre que nous ne sommes pas racistes. En tout cas, ça m'a fait bien rigoler toutes les pompes qu'ils ont fait pour le président. Bon, on me dira que je suis quand même de mauvaise foi, mais bon. Ça peut être aussi le fait que ce soit le premier président à visiter le prince Charles, enfin le prince Charles, le roi Charles, depuis son ascension au trône. On va dire ça comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'ils en font de trop? Si oui, pourquoi? Sinon, alors bien, vous pensez que j'exagère? Dites-le moi, hein, ça ne me gênera pas. Toujours, bien sûr, de façon polie, gentille, sans qu'on ne se crêpe le cheveu. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.